Il existe de nombreuses légendes concernant les mégalithes que l'on peut retrouver un peu partout en Europe et ils ont été au centre de croyances païennes au cours de l'histoire. Construction de fées, de magiciens, voire même de géants, soldats pétrifiés par des dieux ou des esprits, tout y passe. Dès la fin de l'Antiquité et pendant des siècles, l'Église a combattu ces mythes et légendes. Puis, afin de faire coïncider ces étranges constructions avec la Bible, on finit par penser quels sont les autels que Moïse avait promis d'ériger en l'honneur de Dieu. Malgré ça, les légendes païennes continuent de vivre. Au XVIe siècle, c'est l'auteur François Rabelais qui cristallise ces légendes dans la culture avec ses personnages de Gargantua et Pantagruel. Les deux géants auraient ainsi construit des tables gigantesques pour pouvoir manger et auraient ainsi créé ce que l'on appelle aujourd'hui des dolmens.